Amis de Morpheus Ethica, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, ça va être un duo d'enfer. J'ai deux mamans qui arrivent, deux. Mais vous les connaissez parce qu'elles ont déjà fait des émissions avec moi. Alors je vais vous présenter Mélissa et Linda. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Alors bonsoir. Vous êtes mes deux invités, bien entendu. Vous allez simplement rappeler dans quelle région vous êtes, chacune votre tour, d'accord? On va essayer de faire un ordre très simple, hein. On va faire par l'ordre alphabétique, alors, hein, comme ça, ça sera plus facile. Mais, et puis après, ben, vous allez nous parler de votre complicité. Pourquoi vous êtes là toutes les deux ce soir, d'accord? Oui. Mélissa, t'es dans quelle région? T'es dans quel département? Dis-nous. Le département Hérault 34. D'accord. Vers Béziers. Alors, tu précises quand même que Hérault, ça n'a rien à voir avec le Hérault tel qu'on l'entend phonétiquement, hein? D'accord? C'est... Oui, oui. Ok. Et toi, Linda, t'es où? Alors moi, bah Hérault, comme Mélissa. Ah, bah, ça fait deux Hérault, hein? C'est incroyable. Bon, donc je me doutais bien que vous étiez dans le même département, c'est pour ça que vous êtes complices, hein? C'est oui. Pour ça que vous allez parler de certaines choses que vous avez en commun. Bon, alors maintenant, je vous laisse la parole. Je ne sais pas laquelle des deux commence, mais c'est pas grave, vous allez vous compléter. Allez-y, les filles. D'accord. Ben, je voulais parler de la suite des événements qui se sont produits par rapport à Katharina. D'accord. Ah ben oui, c'est vrai, il y avait ça. Oui, parce que en fait, tu es au courant qu'elle était en fugue pour me rejoindre. Oui, ben oui, on a fait une vidéo ensemble où elle t'a bien dit que c'était elle qui était venue te rejoindre, hein, d'accord? Voilà, oui, c'est ça. Donc du coup, là, depuis mercredi dernier, là, le 23, je pense qu'on était le 23, eh ben je n'ai plus de nouvelles de ma fille. Elle ah a bon? Disparu du radar. Ah oui, carrément. Mais tu l'avais, t'étais partie où avec elle? Parce que il y avait un point de rencontre normalement, non? C'était pas ça? Ben, en fait, on est resté 3 jours ensemble. On était dans un autre département. Voilà, on n'était plus dans le 34 Hérault. Donc, du coup, pour le retour, j'ai dissuadé de rentrer parce que c'est l'oncle qui me mettait la pression, là, son oncle de Béziers. Oui. Et la situation, elle, ben, ça me dépassait un petit peu parce que je ne comprends pas trop. Des fois, ma fille, je la comprends pas trop un petit peu parce qu'il y a la ZEU derrière qui manipule, justement. Alors, qu'on soit très clair, hein, les services sociaux, ils ont un but précis. C'est de casser les sentiments entre l'enfant et la maman. C'est leur stratégie. Et là, j'ai même eu des appels téléphoniques aujourd'hui où c'était une horreur. Des mamans en pleurent tellement ils manipulent les enfants. D'accord? Et ça devient grave. Ça devient très, très grave. Mais ça, c'est intentionnel. Il n'y a pas que la ZEU, il y a la famille derrière aussi, la famille Monchi. Hein. Des fois. Je ne dis pas le contraire. Hein. Mais dans la majeure partie des cas, c'est souvent les services sociaux qui essayent de casser les sentiments vis-à-vis de la maman. Voilà, je te le dis. Même si des fois, tu as des oppositions ou des conflits dans une famille, ça peut arriver. OK? D'accord. Donc, du coup, là. La dernière géolocalisation, c'était à Capestan, elle m'a dit. À Capestan, c'est où Capestan? Oui, Capestan, c'est un village pas loin de Montady, après Béziers, en fait. D'accord. Et je ne sais pas avec qui elle est, parce qu'elle est avec un jeune homme qui n'a pas son âge, donc ça s'appelle un détournement de mineur. Hein, le jeune homme en question, je lui ai demandé à ma fille de me le montrer, elle ne me l'a pas montré sur le Snapchat. Donc du coup, je soupçonne qu'il ait plus de 18 ans, donc ça veut dire 20 ans. D'accord. J'ai fait comprendre à la petite qu'il fallait pas qu'elle aille rejoindre ces personnes, mais moi j'ai de sacrés doutes que cette personne est en lien direct avec la ZEU, donc pédocriminel, quoi, carrément. Bon, eh ben tu lances une alerte, voilà, c'est tout. T'as lancé c'est le ce message. Que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai lancé une alerte d'enlèvement parce que pour moi c'est de l'enlèvement, un kidnapping. Et elle parle avec plusieurs personnes en même temps, donc moi je n'ai pas connaissance de ses fréquentations. J'ai expliqué à ma fille qu'il fallait faire gaffe parce qu'elle est jeune, elle est un peu naïve et puis elle peut se faire entraîner par n'importe qui et être dans un réseau de trafic de jeunes filles. Non, mais ça,
C'est sûr qu'à l'âge de la préadolescence ou de l'adolescence, elles sont facilement manipulables, hein. D'accord? Ça c'est clair. OK? Donc, bah, écoute, j'espère simplement que tu auras des nouvelles très prochainement, hein. C'est tout ce que je peux te souhaiter, Mélissa, en fait. Ben là, pour le moment, le problème, c'est que la personne avec qui elle est a enlevé sa puce, donc on ne peut plus la géolocaliser carrément. C'est fait exprès pour brouiller les pistes. Moi, j'ai de sacrés doutes qu'ils l'ont mis à l'HPA. Hein. Ah oui, Qu'elle s'est pas d'accord. attrapée par la ZEU, soit Montpellier, parce que je pense pas qu'ils l'ont mis sur Béziers, parce qu'ils savent très bien qu'elle va refuguer. Donc, à mon avis, elle a D'accord. dû partir du côté de Montpellier. Et la personne qui s'occupe de son dossier, parce qu'on a le même avec Linda, donc elle s'appelle Pascale Blanchard. C'est une femme, hein, qui est au CMP, au centre hospitalier de Béziers. Hein. D'accord. Et c'est elle qui est responsable de l'état psychique ou psychologique de ma fille. Hein. D'accord. Ben, t'as bien fait de le dire, hein, comme ça le confirme. Donc, et là, pour l'instant, toi, t'as plus de droit de visite avec elle, elle a plus le droit de te contacter. C'est quoi le mécanisme qui est en cours? En fait, elle me contactait en cachette. Elle était chez son oncle, puisqu'il y a eu apparemment, par rapport à toutes les démarches que j'ai faites, parce que tu le sais, je suis beaucoup dans les réseaux sociaux et tout ça. Ça dérange la ZEU, hein, à tel Ouais. point qu'ils m'ont demandé d'enlever la vidéo. Alors j'ai dit, moi, j'enlève rien du tout. Si ça fait du bruit, tant mieux. Si ça dérange, eh ben tant mieux, parce que c'est le but, c'est de dénoncer et de récupérer ma fille, quoi, ma vie de famille. D'accord. Non, mais Et ça, ces je sais que personnes. les vidéos dérangent, hein, je te le dis tout de suite. Je Ah, suis mais au ils me courant l'ont d'ailleurs. dit, hein. Ils... Ben, si vous êtes là toutes les deux, c'est pour encore plus déranger. Hein, d'accord? Voilà, Hein, ils c'est vont comprendre, ils vont comprendre. C'est fait pour. J'adore déranger, moi, en fait. Hein? OK? Voilà, donc du coup, ça m'inquiète de voir ma fille si elle est dans la nature ou si elle est avec ces gens-là. Donc, elle a dû être séquestrée par la zoo. Parce que normalement, elle était chez le tonton, normalement. Oui, voilà, c'est ça. Elle était chez le tonton provisoirement, mais elle m'a dit qu'il voulait la replacer dans une famille d'accueil. Donc, elle en a marre de ce placement. Elle le crie haut et fort en faisant deux fugues. Normalement, ils auraient dû comprendre que la gamine, elle se met en danger et qu'elle veut retourner chez moi. C'est D'accord, le souhait d'accord, de la d'accord. petite. Elle a dit à plusieurs reprises sur les vidéos, elle a dit qu'elle voulait Bien revenir à la sûr, maison. non, mais ça, on l'a dit, elle l'a dit, on l'a entendu, hein. C'est très facile à leur remettre sous le nez, hein. Il suffit qu'ils regardent la vidéo. OK? Donc là, donc pour l'instant, tu sais pas où elle est, d'accord? Tu Voilà, je sais ne sais pas pas du si... tout où elle est. Je ne sais pas ce qu'ils font avec ma petite. Je ne sais Et rien du tout. le tonton, il est pas au courant non plus, lui, Ah, d'où elle est? si. Ben, figurez-vous que j'ai appelé la gendarmerie, hein, parce que là, ça allait trop loin. Alors, j'ai D'accord. appelé la gendarmerie dimanche qui est passé, là. Et Ouais. j'ai demandé, elle est où, ma fille? Et donc, la gendarmerie me dit, c'est maintenant que vous appelez? J'ai dit, non, non, j'ai appelé le jour même, j'ai appelé. J'ai appelé, j'ai expliqué que ma fille a disparu de ma vue, qu'elle est partie, qu'elle s'est fait kidnapper. Il me dit, attendez, donnez-moi le numéro de l'oncle. Donc, je donne le numéro de l'oncle. Il me dit, attendez, je vous rappelle tout de suite après. Donc, il a fait son enquête. Il s'avère que tout le monde sait où elle est, sauf moi. D'accord, eh ben, c'est toujours comme ça en fait. Hein? C'est la maman, elle n'a pas le droit d'avoir des renseignements sur sa fille. C'est normal, hein? C'est ça la France des pays des droits de l'homme en fait. Faut pas Et l'oublier, hein? ils me disent, renseignez-vous auprès de la ZEU, vous vous renseignez. Ben, c'est même pas la peine, déjà, ma psychologue, elle doit le savoir où elle est, elle est même pas capable de me le dire. On me cache des Comment choses. elle s'appelle la psychologue? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle, ben, Sophie Grèze. D'accord. Et elle est au courant d'où elle est, ta fille, non? Ouais, hein? Ben, elle a une conversation avec la ZEU, mais sauf qu'elle n'a pas le droit de me le dire, quoi. Voilà. Elle n'a pas le droit de te le dire. Non, je lui faisais confiance. C'était une psychologue en libéral, là, parce que j'avais pris en libéral, mais elle Ouais, mais avait fait un attends, travail sur moi et tout ça. c'est la ZEU qui lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de te le dire. Oui, elle me l'a fait comprendre, parce que quand elle a appelé la ZEU, elle n'a pas mis le haut-parleur devant moi. Vous Ouais. voyez un petit peu la chose, quand même. D'accord. Donc là, donc ça veut dire qu'elle marche avec les services de l'ASE, c'est ça? Ben oui, comme tu m'avais dit l'autre fois, tu m'as dit, ça veut rien dire de prendre un libéral, ça se peut qu'elle soit complice. Ben, j'ai vu qu'à la fin, Ben, de rendez-vous, ben, elle était... Voilà. au-delà de ce qu'on appelle d'une complicité
À partir du moment où les services sociaux leur donnent du travail, ces gens-là, tu comprends bien que c'est un gagne-pain. Les services sociaux leur font gagner leur vie. Donc les parents, ils en ont rien à foutre. Donc des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant ou ils font une sorte de simulation de t'aider, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est leur gagne-pain, en fait. C'est ça la vraie réalité. Parce qu'autrement, ils seraient francs avec toi. Et si non, vraiment, mais t'es pas franc, si vraiment, ouais, mais si elle était vraiment de ton côté, elle passerait par-dessus les services de l'ASE et elle te donnerait la réponse. À oui, j'ai remarqué, mais je vais prendre des distances avec elle. Hein. Je vais prendre des distances un petit peu parce que moi, c'était pour mon bien-être, hein, que j'allais la voir pour essayer de m'aider pour ma fille. Mais je vois que. Ou alors, voilà. Ou alors elle a des menaces. Ou alors elle a des menaces. Ça parce se peut, ça se peut. Ça peut arriver aussi, hein, je te le dis. Hein, il y a des professions qui sont sous la menace des services sociaux. Hein. Il y a même. Oui, moi, je connais des avocats où les services sociaux ont cassé la carrière des avocats. Tu vois? Ça existe, hein. Je comprends. Ça existe. Je pense que c'est ça, parce que pour pas qu'elle me dise la chose, c'est que c'est grave pourquoi quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier que certains services sociaux sont sous la gouvernance d'autres réseaux. Tu es au courant de ça? Oui. Hein? Parce que dans les services sociaux, c'est pareil. Si tu en as certains dans les services sociaux qui essayent de dénoncer des choses, c'est la personne des services sociaux qui va perdre sa carrière. Parce qu'ils sont capables de casser des carrières au sein même des gens qui sont dans les services sociaux. Faut pas oublier je ça. Comprends. Hein. Oui. Donc, ils sont soumis au chantage, ces gens-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils obéissent à des ordres de gens qui sont au-dessus d'eux. Et là, tu découvres derrière qu'il y a des réseaux. Donc, je donnerai pas les noms, c'est pas la peine. Vous les devinez. Hein? D'accord? Oui. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on va attendre. D'accord? Parce que si vous êtes là, toutes les deux, Mélissa et Linda, c'est que vous avez aussi une complémentarité de choses à dénoncer, je suppose, hein. Donc vous vivez les mêmes choses par les mêmes personnes, c'est ça, hein. C'est ça. Oui. C'est le même tribunal, c'est le même juge, c'est un peu ça le mécanisme, non? Oui. Oui, c'est ça. C'est l'horreur. Donc ouais. Moi, avec Mélissa, Mélissa est très courageuse, c'est une maman combattante. Et voilà, qui me donne beaucoup d'énergie parce qu'en fait on vit la même chose et elle est pas dans le déni, elle affronte la réalité que nos enfants sont, nos filles sont droguées. Ouais, ça c'est, elles sont médicalisées et ça les drogue. C'est dans son sac pour te le dire, hein, d'accord? Voilà. Parce que médicalisées. Si tu dis la drogue, ils vont croire que tu utilises la drogue, mais telle que la drogue, les gens la comprennent. Alors que là, oui, médicalisé avec les drogues. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'après, on leur casse leur manière de penser. Ils sont anesthésiés, ces enfants-là. Hein, mais je sais bien. Ça se pratique depuis longtemps. Comme ça leur évite d'avoir des enfants qui sont rebelles. Et la plus grande des perversités, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand les services sociaux peuvent casser le lien d'amour entre la maman et l'enfant, ils s'en privent pas, hein. Ils s'en privent pas. Moi, cet après-midi, j'ai eu deux appels téléphoniques de deux mamans. Les deux mamans, elles étaient en pleurs. Parce que, justement, ils étaient en train de casser les sentiments entre l'enfant et la maman. Tu vois, c'est gravissime, hein. C'est gravissime. Un bande organisée, hein. En bande organisée, d'accord? Ils font croire à l'enfant que la maman ne les aime plus. Oui. Tu vois, t'as dû vivre ça, Linda, un peu, hein, d'accord? Bon, moi, je l'ai vécu avec Stéphane et puis je l'ai carrément sur la dernière ordonnance. Ils disent que à ma fille que je l'ai oubliée, que je ne l'aime plus. Voilà, donc ça, c'est une ordonnance mensongère. D'accord? Il faut déposer plainte contre ces écritures-là, pour faux en écriture. Hein. Je te le dis tout de suite. C'est le monde à l'envers. Hein. Non, mais s'il y a des mensonges qui sont proférés à l'intérieur même, d'accord? Il faut déposer plainte. Je ne peux plus déposer plainte. Je suis ça fait deux fois que je suis en garde à vue. Et Mélissa, c'est pareil. On va les gendarmes sur le dos. Ils viennent nous taper sur les yeux. D'accord. Ah ben, on leur enverra la vidéo aux gendarmes. D'accord?
pour leur Oui, dire. j'aimerais bien parce que là, ça commence à bien faire. Faut qu'ils arrêtent d'être complices des services sociaux. Ils sont D'accord. Mais complices. quand on porte plainte, hein, on n'est pas entendu. Ils classent la plainte. Hein. Et quand c'est l'ASE qui porte plainte contre nous, ils traitent le dossier. Mais je sais bien, je sais comment ils font, je sais comment ils sont. D'accord? Pourquoi les services sociaux appellent toujours les gendarmes ou la police pour enlever des enfants? D'accord? Ils ont besoin d'être aux gardes à vous. C'est insupportable. J'espère qu'un jour, il y a certains policiers ou certains gendarmes qui se feront enlever leurs enfants. C'est tout ce que je leur souhaite. Comme ça, ils comprendront. J'aimerais préciser qu'il y a une gendarme, Madame Nadia Mostefeka, qui s'est fait assassiner, enfin suicider, on va dire, on lui a enlevé son enfant parce qu'elle dénonçait les réseaux pédophiles. Voilà, Elle était voilà. dans le, parce que eux aussi se font violer leurs enfants, hein, c'est quand même grave. Elle Non, mais était dans. je sais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une partie des policiers ou des gendarmes, d'accord, qui sont aux ordres parce qu'ils sont sous la menace. Tu vois, tu as une démonstration là. Tu es en train de le faire comprendre. Ils exécutent comme ça, on les laisse tranquilles, on ne touche pas leurs enfants. Mais les enfants des autres, ils s'en foutent, en fait. Oui, C'est pas comme ça la solidarité. oui, C'est pas oui. du tout ça. C'est pas du tout ça. D'accord? Alors, qu'ils essayent de se défendre ou qu'ils essayent de protéger leur famille, je veux bien, mais ils ont l'obligation de défendre les autres familles aussi. Oui. Disons que, je répète, hein, c'est Nadia Mostefeka, son collègue de gare, 2 jours après, il a été aussi suicidé, 2 enfants, hein. Donc, je veux dire que ceux qui sont contre ces choses-là, et Nadia était dans les orphelins de la police et gendarmerie. Elle n'était pas dans l'ASE. Elle était dans les orphelins de gendarmerie. Et donc, si elle a été suicidée, c'est que elle a été suicidée. Hein, vous m'avez compris. C'est Ouais, qu'elle a ouais. vu des choses dans ces centres-là. Donc, ce sont des enfants orphelins de gendarmes et de flics. Ça va loin. Donc, moi, j'en ai parlé quand j'étais à ma deuxième garde à vue, leur dire que c'était, ils prenaient, ils prélevaient des gosses dans tous les niveaux, hein, que ce soit à l'ASE, des gens normaux comme nous, Alors. même chez vous, ça n'a pas l'air de leur faire tilt dans leur tête. Voilà. D'accord. Et Donc, donc, alors, moi, hein? pour ceux qui t'écoutent, Linda, la première garde à vue, elle était due à quoi? La première garde à vue que tu as eue, c'était quoi? 11 plaintes de tout le réseau pédophile. D'accord. Que sur des choses que tu avais dénoncées, c'est ça? OK? Aucune dénonciation calomnieuse. Tout ce qu'il disait, c'était que je les menaçais, vu que je les montrais de quoi ils étaient, qu'ils avaient peur pour leur vie. D'accord. Mais pas de dénonciation calomnieuse, j'ai pas été condamnée, j'ai aucune dénonciation calomnieuse. Donc apparemment, D'accord. c'est ça qui est Et grave. la deuxième garde à vue, c'était attachée à quoi? Encore le même esprit ou pas? Non? La deuxième garde à vue, j'étais sous écoute, j'ai juste dit le mot bombe. Ah oui, C'était la d'accord. Et donc, criminelle. d'accord. C'était une bombe virtuelle et puis ils ont cru que c'était une vraie bombe. C'est ça, hein? Oui, en fait, ils étaient sur le. J'ai. Ils sont. Bah, vu que je les ai dénoncés, ils n'étaient pas bien, quoi. J'ai dénoncé D'accord, tout le d'accord. Ah ouais, non, mais ils ont cru que tu avais une vraie bombe, en fait. C'est ça. Donc, mais c'est pas grave. Donc, ça a pas duré longtemps, la deuxième garde à vue, hein. Ça leur a dit que tu n'avais pas de bombe vraiment. C'était des mots qui étaient des vraies bombes, hein. C'est ça, hein? Bah, en fait, il y en a qui. Des gendarmes de la criminelle, je répète, la criminelle, qu'ils se demandaient ce qu'ils faisaient chez moi, quoi. Ils ont bien vu que j'étais une maman, je défendais ma fille. Et moi, en fait, la bombe, c'était que, en fait, la juge des affaires familiales, elle balance que ma fille était violée. On m'enlève la garde et que ma fille était violée. Elle balance sur leur torchon, j'appelle ça un torchon, que ma fille voulait se suicider. Je dis, mais là, c'est une bombe. Pourquoi les gens. Tu peux pas réagir. Elle veut se Non, suicider, ma fille. attends, Linda, là, ce que tu es en train de dire, d'accord? Parce que ça veut dire qu'ils l'ont écrit dans un rapport, ça. Ils l'ont écrit dans le jugement où ils m'enlèvent la garde. D'accord. Et ça, tu as déposé plainte contre ce jugement-là pour faux en écriture? Non, j'ai été voir les gendarmes après ma garde à vue par la criminelle, hein, leur expliquer que là, ma fille voulait se suicider, qu'il y avait danger de mort. Et il m'a dit, le mec, enfin, espèce de. Enfin, pas le mec, espèce d'ustensile avec un costume de gendarme. Que je n'avais plus la garde, je ne pouvais pas porter plainte. Je leur ai expliqué qu'on s'en fout que je n'ai pas la garde. Là, la juge d'affaires familiales explique que ma fille veut se suicider. Ça fait 1 an et demi que je vois plus, 2 ans et demi que je vois plus ma fille.
c'est chez eux qu'elle veut se suicider. Donc c'est grave. Donc, mais ils ont, non, non bien sûr que c'est grave. Mais c'est à force de dénoncer, d'accord. Et donc ça, c'était les gendarmes d'où qui t'ont dit ça? Dans quelle ville? Pézenas. D'accord. Donc on le les répète. Les mêmes pour Mélissa. D'accord. Les mêmes que pour Mélissa. D'accord. Donc ça veut dire que, tu vois, ces gendarmes-là ou ces flics-là, ils sont aux ordres du système. Ils sont aux ordres du système. D'accord. C'est pénible hein, à entendre. C'est pénible. Et la juge qui a fait le rapport en disant que est-ce qu'elle t'accuse de certaines choses aussi pour t'avoir enlevé l'enfant ou pas? Alors là, c'est pas la juge des enfants, c'est la juge des affaires familiales. D'accord. Pareil, elle reprend en fait quand vous faites une inscription en faux, à chaque fois. Les gens s'appuient parce que les juges reprennent ce qu'a dit la collègue, etc. Donc c'est toujours les mêmes choses. Madame est folle, Madame ci, Madame là. Enfin bref. Donc ça, ça s'appelle. Il y a un terme exact pour exprimer pour ça. Donc quand vous pas repassez normalement dans une affaire comme ça, elle doit s'appuyer sur autre chose que sa collègue ou sa copine franc-maçonne a expliqué quoi. Enfin franc-maçonne. Mais tu sais que. T'es au courant qu'il y a beaucoup de mamans à qui on enlève les enfants qui sont considérées comme folles. Hein. C'est un argument qu'ils utilisent tout le temps. C'est très pratique. Alors, je vais te dire pourquoi ils disent que t'es folle. Parce que comme ils sont en train de prendre dans la tronche la manipulation de l'article 375, alors je t'explique pourquoi, d'accord? Dans l'article 375 jusqu'à 375.8 des codes de procédure, le juge qui parle qu'il y a un danger pour le mineur, que ça soit un danger social, éducatif, tout ce que tu veux, le juge, par le biais de la Cour de cassation de 2018, il a l'obligation d'amener les preuves du danger. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils évitent de parler trop de danger vis-à-vis de l'enfant, mais c'est la maman qui est devenue folle. Et comme la maman, elle est folle, d'accord? Donc, la seule contrainte que tu as, Linda ou Mélissa, parce que peut-être que, on a peut-être dit que Mélissa, elle était folle aussi. On t'a dit que tu étais folle, Mélissa? Ah oui, oui, ils l'ont dit à ma fille, ta mère, elle n'a pas la tête sous les épaules, hein, parce que je suis d'accord, à l'NTPH. Voilà. Ça, c'est la manipulation qu'il y a pour pouvoir utiliser des arguments fallacieux juste derrière pour pouvoir enlever des enfants. Mais, vous avez une manière de contrer ça, d'accord? C'est d'avoir un certificat médical comme quoi vous êtes saine d'esprit, d'accord? Oui. Avec des médecins spécifiques pour ça. Et ça, faut moi, leur mettre dans les... Mon médecin généraliste, moi, j'ai mon médecin généraliste qui me suit depuis 7 ans. Quand je lui ai sorti que j'avais 9 maladies mentales selon une juge, il a rigolé. Je prends aucun cachet, je prends rien. 9 maladies mentales. Est-ce qu'il t'a fait une certification Que madame, je ne sais pas, il m'en a fait une quinzaine, que madame ne prend rien, que madame n'a aucun problème neurologique, qui me suit depuis 8 ans. Et ouais. Ça, tu l'as envoyé au juge, ça? Non, tu l'as pas envoyé au juge. Mais il s'en fiche. D'accord. Tu peux nous rappeler le nom du juge? Camille Camborde. D'accord. Camborde, hein? Camborde. C-A-M-B-O-R-G-E. D'accord. Et donc, elle est aux ordres des services sociaux, c'est ça, hein? Aux ordres de réseau, d'office, je prends. Aux ordres de? De réseau, d'un réseau pédocriminel. Oui, alors attention. Ouais. Certains sont dans les réseaux, d'accord? Alors, je veux bien que tu le dises comme ça, mais je pense que le juge, lui, fait partie même d'un réseau, d'accord? Alors, je fais attention. Pourquoi? Parce que dans ce réseau-là, tu as deux niveaux, et je tiens à le préciser. Alors, si on parle d'un réseau, par exemple, qui s'appelle la franc-maçonnerie, pour en prendre un, d'accord? La franc-maçonnerie, elle a deux niveaux, d'accord? Elle a un niveau sataniste, elle a un niveau normal. Ouais. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont, soumis à ce qu'on appelle certaines règles, d'accord? Et notamment des constitutions qui s'appellent les constitutions d'Anderson. Vous en avez déjà entendu parler ou pas? Oui, j'ai entendu parler, ouais. D'accord. Donc, ils sont soumis, alors, ils prêtent serment devant leur propre constitution. Ils passent par-dessus les autres constitutions, d'ailleurs. Mais le problème qu'il y a,
c'est qu'ils sont aux ordres d'eux-mêmes, entre amis. Ils doivent se rendre service. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même un juge qui n'est pas du tout sataniste, sans le faire exprès, mais simplement parce que il est aux ordres de ses propres constitutions, il va respecter la demande d'un autre de ses confrères, d'accord? Entre guillemets, ce sont des frères, hein, d'accord? Des frères et des sœurs. Mais si l'autre, il est sataniste, eh ben, il cautionne, sans le faire exprès, un mouvement sataniste. C'est comme D'accord. ça que ça marche, le système. C'est complètement con. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, tu sais pas lequel franc-maçon est gentil, lequel est méchant. Tu vois? C'est aussi con que ça. D'accord? Et moi, je le Okay. sais parce que j'ai la liste de tous les francs-maçons de France. Hein, j'ai un document exceptionnel avec toutes leurs procédures, avec tous leurs mécanismes. On m'a envoyé ça, mais j'ai halluciné. Et puis attention, hein, t'as des milliers de pages. Hein, des milliers de pages. 4475 pages, exactement. Tu vois? Ça veut dire que le dossier, il est très gros. Très gros. Mais moi, je pioche de temps en temps. Je regarde. Mais c'est vrai que quand tu décortiques ça, tu peux pas savoir qui est le gentil, qui est le méchant. D'accord. Et D'accord? en fait, avec Mélissa, ce qu'il y a de flagrant, c'est qu'on a le même, hein, Mélissa, tu confirmes, Oui. nos deux filles sont droguées, hein. D'accord. Non, mais ça, c'est. Alors, quand tu dis droguées, c'est elles sont médicalisées et que c'est des Voilà. drogues. Hein? Voilà. On est d'accord. Excusez-moi. Donc Alors, pour là, ça moi. veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des complicités médicales, parce que pour avoir des médicaments, bien entendu, il faut qu'il y ait des complicités C'est ça. médicales, parce qu'autrement, elles n'y Oui. arriveraient pas. T'as des complications et des complicités qui sont d'ordre psychologique, parce que, excuse-moi, mais ils sont aussi aux ordres de ces gens-là, et tu t'aperçois que c'est tout un système entre le médical, le psy, et puis les services sociaux, qui gangrènent la vie familiale des mamans, en fait. C'est Oui, comme ça, c'est ça. et tu le retrouves un peu partout, hein. Franchement, tu le retrouves partout. Donc maintenant, il y a un moment donné, au fur et à mesure qu'on fait des vidéos, ça fout la merde, et moi, mon but, c'est de fouler la merde dans ce système-là, parce que, je te le dis tout de suite, hein, j'ai même maintenant des associations qui prennent la liste, ma playlist de tous les témoignages de maman, d'accord, et de papa, parce qu'il y a aussi de temps en temps des papas, faut pas oublier, d'accord, et ils envoient ça au juge. En disant, mais c'est quoi la France maintenant? C'est quoi le pays des droits de l'homme? Et vous êtes victime d'un système, d'accord? Et ce qui m'agace, justement, c'est le mélange des genres. Pourquoi? Parce que entre ceux qui ont un intérêt, on va dire, entre guillemets, un petit intérêt financier, parce que c'est ce qui leur permet d'avoir du travail, d'accord? Et d'avoir un salaire. Mais derrière tout ça, à chaque fois qu'ils essayent de faire quelque chose de bien, t'as toujours le mal qui est derrière que tu vois pas. Toujours. D'accord? Ils peuvent avoir des fois une intention qui est bonne, et derrière, t'as des gens qui manipulent pour que ça devienne très mauvais. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc moi, je le dénonce, je le fais savoir, je le fais savoir. Vous arrivez, c'est pour dénoncer des fois des choses que vous subissez, les gens qui interviennent, les noms, les prénoms, dans quel tribunal c'est, pour démontrer qu'au sein même de ces tribunaux-là, t'as peut-être des gens qui vont finir par y réfléchir. C'est tout. Oui. Nous, ce qu'on appelle, c'est qu'on a nos deux filles qui sont droguées, enfin, médicalisées à l'extrême pour des petites filles. Qu'on leur fait subir des choses extrêmes et qu'on a une médecin, Pascale Blanchard de Béziers, qui détient sûrement sa fille et ma fille. Quelle drogue! Qu'elle médicalise et qu'elle drogue à l'usure. Ce médecin, elle devrait être radiée et les gens qui sont autour de sa fille et de ma fille, méfiez-vous, on ne vous lâchera pas. Ça commence à faire beaucoup. S'il y a des vigiles, vous savez qu'il y a ma fille, il y a qu'elle sa fille. Vous arrêtez maintenant, c'est des crimes que vous faites. Ce sont des petites filles. Est-ce que tu as le carnet de santé et tu sais ce qu'il lui donne comme type de médicament ou pas du tout? Moi, je l'ai découvert, bah, déjà, je suis très complice avec Mélissa, et je ne savais pas. En fait, je l'ai découvert en enregistrant le médecin, le faux médecin de la ZEU qui n'avait pas vu ma fille. Et qui me parle d'une docteure Blanchard. Ça m'a tilté. J'ai cherché sur Internet. J'ai appelé Mélissa. On s'appelait. Et puis elle me sort. J'ai un médecin. Elle me sort Blanchard. Mais je dis, mais moi aussi. Blanchard. On a les deux mêmes médecins. Ma fille, je sais qu'elle est cachée en IME.
Hein, ma fille, ça c'est 1000 euros par jour pour planquer ma gamine. Faut pas oublier. Hein. Donc Non, non, mais là, je... il n'y a qu'une moi. prise en charge dans l'héros. Et toi, t'as le même médecin, Mélissa? C'est le même médecin Oui, aussi? c'est le même psychiatre que sa fille là, et elle drogue ma fille à la Ritaline. À la Parce que je Ritaline. l'ai vue sur Est-ce que le jugement. tu l'as vu sous le jugement, mais est-ce que vous avez des certificats médicaux? Est-ce que vous avez un suivi du carnet de santé ou pas, vous, les filles, là? Alors, moi, Non, puisque enregistre. j'ai pas accès. Non, on ne peut pas avoir accès. Il faut bien comprendre aux gens qui nous écoutent, ils nous enlèvent la sécurité sociale, l'accès à tout. C'est un crime. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à ce qu'ils font à nos enfants. Ils font ça exprès. Alors, le patron de la sécurité sociale fait partie du réseau criminel, puisqu'en fait, de suite, quand ils nous enlèvent nos enfants, ils nous enlèvent l'accès à ce qu'ils font médicalement à nos gosses. Ils peuvent les Alors, avorter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Linda et Mélissa, je vais vous raconter une petite histoire sur une vidéo que j'ai faite avec une maman qui a perdu son enfant. Oui. D'accord? Son enfant, elle est décédée. Elle avait l'âge de 12 ans. À cause de quoi? À cause d'une surmédicalisation. Mais, l'autopsie et ainsi de suite, ça a mis des années avant d'en obtenir des pièces. Là, au jour d'aujourd'hui, écoute bien ce que je vais te dire, hein. Je vais vous dire à toutes les deux. Oui. Si l'hôpital, avec les médecins, était complice d'une médicalisation qui a été faite à un enfant de 12 ans, de moins de 12 ans, avec des médicaments qui étaient spécifiques pour des adultes, d'accord? J'ai récupéré tous les documents, absolument tous les documents. Et tu sais ce que je suis en train de faire? Je suis en train de contacter des amis qui sont des médecins, qui vont faire des rapports d'analyse des médicaments qui ont été donnés à l'enfant et de démontrer que la surmédicalisation, c'est bien ça qui a tué l'enfant. Même si c'est déjà reconnu dans un jugement en mettant la responsabilité d'un des médecins à 25%, il y a tout le reste. Parce que 25%, c'est pas 100%. D'accord? Eh ben, on ira chercher les 75% qui manquent. Et tu verras, ça va semer la merde. Pourquoi? Parce que il y a un moment donné, ils ont fait des mélanges de médicaments qui n'avaient pas à être médicalisés, à être mélangés, et surtout pas à un enfant de moins de 12 ans. OK? Donc là, je préviens en disant ça que vos enfants, si jamais ils sont drogués, les médecins qui ont donné les médicaments, s'il y a des dégâts sur ces enfants-là, ils seront responsables. Et on fera des enquêtes, comme je vous le dis là, avec d'autres médecins, avec d'autres confrères. J'ai même, moi, des médecins qui vont être à l'étranger pour faire des analyses. D'accord? Parce que ils parlent français en Belgique, ils parlent français en Suisse, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Voilà. Donc, pourquoi? Parce que l'ordre des médecins en France, il est complice et des fois, ils ferment leur gueule. Oui, Mais c'est pas c'est ça ça. le but. C'est pas ça le but de l'opération. Ça D'accord? s'appelle du détournement d'argent de la sécurité sociale. Ils Oui, mais prennent en des plus. sommes astronomiques. Et ça, mais tu sais, ça a existé avec la vaccination, la pseudo-vaccination qu'ils ont imposée à plein de gens. D'accord? Hein? Là, c'est plus la santé, c'est le fric qui rentre. Point barre. OK? Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, à partir du moment où il y a des dénonciations qui partent en réseau, d'accord? Ça part. Moi, ce que je fais, il faut savoir qu'après, c'est partagé par plein d'autres réseaux, par plein de services. D'accord? Donc, je publie, puis des fois je retrouve la vidéo ou votre témoignage sur d'autres réseaux que je connaissais même pas. Mais Oui. ça veut dire qu'il y a une solidarité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, il faut que ça se sache. Et plus je démultiplie les témoignages, plus votre voix, elle apparaît, plus les gens commencent à comprendre ce qui se passe dans le service social, dans la complicité médicale, dans la complicité psychologique. D'accord? Et c'est ce but. C'est de montrer qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de penser qu'à leur tiroir caisse. OK? Je veux Oui. bien qu'il y ait des réseaux, je veux bien qu'il y ait des complicités. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose où on essaie de faire quelque chose de bien, tu as toujours le mal qui se met derrière pour changer la donne. À chaque fois, c'est comme ça. Tout le temps, tout le temps. Donc tu vas avoir quelqu'un qui va essayer de faire quelque chose dans ton intérêt au début, et après, derrière, tu as des gens qui vont tout faire pour transformer en mal ce qui était prévu en bien au début. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça.
Et tu verras, je vais te donner un exemple très simple du futur, d'accord? Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, d'accord? Qui va arriver demain. Autant l'initiative, elle avait des bonnes idées, tu verras la manipulation du mal qui va utiliser ça demain. C'est invraisemblable. Tu verras ce que je te dis. À l'origine, tu as des gens qui voulaient faire des choses bien, eh ben, ils utiliseront la partie créée pour faire que du mal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Excusez-moi, hein, j'ai dit ça, mais c'est pour que vous le compreniez. Donc là, pour l'instant, vous êtes en collusion contre le juge, contre le tribunal, contre les services sociaux. Est-ce que vous avez... parce qu'on a la police aussi sur le dos, qui défend le trafic humain, qui défend cette corporation, alors qu'on leur paye avec nos taxes et nos impôts jusqu'à leur slip. Hein. Je voudrais préciser. Donc, je trouve ça dégueulasse. Ces gens-là, ils sont plus humains. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Linda, tu sais où elle est, ta fille, toi, placée ou pas du tout? Non, ils me la cachent. Je sais juste que c'est Pascal Blanchard de l'IME de Béziers. Je sais que ma fille est en IME parce que vu l'ordonnance, elle a marqué qu'elle regarde par une fenêtre, qu'elle ne sort pas d'une chambre et qu'elle veut se suicider, se jeter par une fenêtre et qu'elle est droguée. Mais ça, c'est écrit dans quoi? Dans un jugement, ça, ce que tu dis là? Oui. Et qu'il y a un monsieur avec un masque blanc qui vient la chercher dans son lit. Je sais qu'elle est violée en plus. Elle participe à quoi? Allez-y pour répondre. C'est énorme. Et donc, quand j'ai dit c'est une bombe ce qu'elle écrit, je regardais pas comment enlever la garde. Je voyais un monsieur avec un masque blanc qui vient chercher ma fille dans la chambre d'hôpital où elle est. Ma fille était pas handicapée. Ma fille, elle travaillait bien à l'école. Elle avait une vie normale. Ils ont tué ma gamine. Et c'est Pascal Blanchard qui drogue ma fille. Et quand Mélissa m'a parlé de Blanchard, on se parle, on savait même pas. Elle me dit, la médecin qui drogue ma fille, c'est Blanchard. Je suis tombée mal. Non, mais on a tous les mêmes choses, on a tout pareil. C'est un truc de fou. Il y a d'autres moments, il y a d'autres personnes qui vont venir vers nous. On vous attend. Ne lâchez pas. C'est grave. Justement, là, ce qu'il faut faire. Donc là, vous êtes deux. J'espère que demain, vous serez quatre, que vous serez 10. D'accord? Plus il y aura de témoignages, en plus dans votre département, avec les mêmes personnes autour, il n'y a que ça qui pourra faire changer les choses. Hein, d'accord? Parce que là, ce que vous êtes en train de dire, quand ça va être diffusé, ils ne vont pas aimer du tout. Ils ne vont pas aimer. Déjà, ils vont être fâchés que vous vous connaissiez les deux. Hein, d'accord? Déjà, c'est le premier point. D'accord? Oui. Mais ce que je veux, c'est justement de la solidarité. D'accord? Donc, et on verra les conséquences que ça aura demain. Si à un moment donné, vous contrariez le mécanisme, d'accord? Mais au-delà de contrarier le mécanisme, ce genre de témoignage, des fois, il peut faire changer la vision de certaines personnes au sein même de votre entourage, d'accord? Oui. En disant, il y a un moment donné, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils déconnent, en fait, qu'ils font des choses qui sont des aberrations, d'accord? Mais maintenant, si après, vous arrivez à avoir des preuves, d'accord? Notamment s'il y a une connotation avec la pédophilie, si jamais ça arrive. Là, je veux vous dire que les plaintes, en ce moment, au niveau de ça, c'est en train de sortir dans plein de réseaux. Hein. Vous êtes au courant qu'il y a de plus en plus d'actes de pédophilie qui sont dénoncés. OK? Vous êtes au courant de ça. Ma fille est violée. Hein. Ma fille m'a avoué qu'elle a été violée. Hein. Ma fille. Hein. Ça fait un an et demi que je ne la vois plus. Tout ce que je sais, c'est Pascal Blanchard. Ça, c'est la médecin, c'est ça? Non, c'est une psy ou un médecin? Un psychiatre. Voilà. C'est un psychiatre, d'accord. Alors, le psy, il est sûrement aux ordres de... En tout cas, son fonds de commerce, il passe par les services sociaux, il y a de grandes chances. Il y a de très grandes chances. Oui, mais elle détruit quand même la vie des enfants parce qu'à force d'être shootée au psychotrope, il y a les neurones qui ne suivent plus derrière. Non, mais là, attention, là... Il faudra déposer plainte contre elle pour l'intégrité physique. Hein. Il existe des lois européennes sur la sécurité médicale et sur l'intégrité physique d'une personne. Hein. Problème, c'est que déposer plainte, les flics et le procureur font partie. Ils font rien.
Ils ne font vous, rien. Vous essayez de trouver une plainte dans un autre département. Ou une plainte collective. Non. Les plaintes collectives en France, c'est un, tu peux pas. Tu peux pas. Ah mince. Ah non, non, c'est qu'on a besoin d'aide. Qui nous rendent nos enfants et qu'on dénonce. Il y a quelque chose, il n'y a que les gens qui peuvent nous aider. Non, non, je sais. Donc là, on verra avec les juristes, avec les avocats, d'ailleurs, s'il y a des gens, par exemple, je te donne un exemple très simple, des gens qui vous entendent en train de dire ça, d'accord ? Il y a peut-être une personne qui est capable de déposer plainte parce qu'elle vous aura entendu en déposant plainte pour vous protéger, vous. Oui. D'accord ? Ça peut arriver, ça. Hein, y a des lois qui autorisent les gens à déposer plainte parce que tu as dit ça contre la personne qui drogue ton enfant ou qui drogue vos enfants à vous. D'accord? Je sais pas si ça se fera, mais en tout cas, vous avez le droit de le pressentir. C'est pas quelque chose d'impossible. OK? Il y aura peut-être des juristes qui donneront des idées à d'autres personnes. OK? Plus il y a un collectif qui s'installe, plus vous montrez que vous êtes plus toute seule. D'accord? Moi, il faut savoir que simplement avec tous les témoignages que je fais ou que je donne la parole à des mamans, c'est en train de se fédérer. J'ai de plus en plus de gens qui parlent entre eux et qui essayent de créer une communauté de défense. Oui, c'est ça. On est 7 mamans là. Hein? Là, je parle avec 6 ou 7 mamans en même temps. Bah, tu vois, donc c'est très important. Mais plus il y aura de témoignages, parce que tu vois, demain, j'ai encore un autre témoignage, après-demain, j'en ai encore un autre, donc ça veut dire qu'il y en a de plus en plus. Il y en a qui m'appellent, mais qu'osent pas encore témoigner, d'accord? Par contre, ils regardent toutes les vidéos, hein, donc, et là, ils se disent, est-ce que moi, je vais témoigner aussi? Tu vois, quand ils commencent à se poser la question, parce qu'ils découvrent ce que eux, ils subissent, c'est ce que racontent les autres. Et au fur et à mesure, même si on est répétitif dans le mécanisme, parce qu'on s'aperçoit que c'est un mécanisme, d'accord ? Donc, il y a un moment donné, les mamans, au fur et à mesure des témoignages, ils finissent par dire des choses qui sont identiques. Mais c'est ça qui est important, c'est de démontrer que le mécanisme, il est le même. Voilà. Moi, je suis très fière de Mélissa, de connaître Mélissa. Je la trouve très, très courageuse. J'ai eu plusieurs contacts avec elle. Enfin, voilà, je suis admirative de son courage. Et je te remercie, Mélissa, de tout ce que tu fais, parce que franchement, c'est énorme. Le but, justement, Linda, c'est que les gens se connaissent entre elles, d'accord ? La preuve, c'est que maintenant, vous êtes les deux en même temps, là, d'accord ? Demain, peut-être que vous serez 3 ou 4, ce serait très drôle, d'accord ? Des mamans du même département. Oh, ouais. Mais ça n'empêche que, par exemple, Mélissa, elle a découvert des amitiés dans d'autres départements, avec d'autres mamans. D'accord ? Oui. Ce qui est important, c'est Nolwenn, par exemple, c'est de la solidarité. C'est de montrer que les mamans, elles se comprennent. C'est pas parce qu'elles subissent, d'accord, qu'elles doivent continuer de subir. Donc, ce qui est important pour moi, c'est justement que le moral remonte grâce à d'autres mamans. Tu vois, ça, c'est pour moi, c'est très, très important de pas te retrouver toute seule, Linda. Tu vois, ça, c'est pour moi, c'est la première des étapes. La plus importante. On a Vanessa aussi, l'avocate avec qui je suis en contact. Ouais, alors tu vois, parce qu'aujourd'hui je l'ai eu parce qu'elle m'a envoyé pour un autre dossier, d'accord ? J'avais besoin de savoir si elle gérait des dossiers, on va dire, dans le domaine de la succession et des droits. Elle m'a dit non, que c'était pas sa compétence, elle m'a donné un ami à elle qui est spécialisé dans ce monde-là. Et ben tout de suite, j'ai donné le nouveau, alors je donne pas le nom de l'avocat, mais je donne que son prénom, il s'appelle Aurélien, d'accord ? J'ai envoyé le contact à la personne qui m'avait demandé, parce que elle a deux problèmes, elle, cette femme-là, d'accord ? Elle a un problème de succession et d'héritage suite au décès de son père, mais elle a aussi des problèmes sur la garde de ses enfants, tu vois ? Donc elle cumule les deux. Il avait fallu déjà qu'on s'occupe de la partie notariale, puis après on s'occupera de la partie des enfants. Voilà, tu vois, mais c'est récurrent, c'est tout le temps. Et la France, elle est en ce moment, elle est à la dérive dans le placement des enfants. Et on découvre vraiment qu'il y a des dysfonctionnements qui sont aberrants. Mais on sait pourquoi il y a des dysfonctionnements. Et c'est à nous de remettre de l'ordre en démultipliant les témoignages. OK, les filles?
Ah bah Vous oui. êtes d'accord? C'est pour ça que vous témoignez d'ailleurs. C'est Oui, pour le oui. faire savoir, Oui, hein? c'est ça, il faut que vous veniez vers nous, qu'on soit là des guerrières, quoi. Hein? Si vous D'accord. tenez le coup, prenez notre force, même si vous êtes à bas, à terre, parce que ou papa ou maman, ou grand-mère, ou Bien oncle, sûr, bien sûr. regardez-nous, prenez des forces en nous et venez D'accord. avec nous combattre. Ouais, d'accord. Et Linda, quand tu dis que tu es en contact avec cinq ou six mamans là, d'accord? C'est dans ton département ou c'est autour? Limitrophes. Limitrophes, d'accord. Eh ben, tu leur dis, hein, tu vois, donc tu leur Oui, enverras si tu as. elles sont beaucoup de caractère et là j'ai parlé avec les six à la fois jusqu'à 1h30 du matin Non, et mais c'est important parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la solidarité. Et mine de rien, sans que vous vous en rendiez compte, ça vous remonte le moral d'avoir des mamans à qui vous finissez par être complice. N'est-ce pas, Mélissa, que c'est vrai ce que je dis, Oui, hein? c'est Donc, vrai. et en fin de compte, mine de rien, ça dégage une énergie positive. D'accord? Et ça, pour moi, c'est important. Parce que quand tu as des mamans qui sombrent, hein, et crois-moi, il y en a. D'accord? C'est parce qu'elles sont toutes seules à se morfondre toutes seules dans leur coin. Et ça, il faut pas. Ça, c'est mortel pour une maman, ça. Mais je D'accord? pense que c'est important ce qu'on fait, Mélissa. Enfin, on est en contact. Elle a des gens, moi j'ai des gens. On va se retrouver. C'est Mélissa, c'est une guerrière, je le sais. Pour sa fille, elle fera tout. Moi, je ferai tout pour ma fille qui est violée, torturée depuis 2 ans et demi. D'autres mamans aussi ont leurs enfants violés. C'est chaud. Certaines ne voient plus leur enfant depuis 5 ans. Et je pense qu'à un moment donné, la colère, elle est là, mais la bonne colère. Et que les gens vont se mettre, on reviendra peut-être vers toi si tu veux bien. Et là, Bien il y a du sûr, non. là, il y Alors, a des moments. moi, ce que je voudrais que tu regardes avec les mamans avec qui tu es en contact, d'accord? Parce que j'essaye d'avoir de ce qu'on appelle des statistiques. Est-ce que, par exemple, dans les mamans qui sont victimes du placement de leur enfant, est-ce qu'elles-mêmes, quand elles étaient jeunes, elles ont été aussi placées? Oui. Combien il y en a? Quel est le pourcentage des mamans, à ton avis, qui sont victimes aujourd'hui, mais qui étaient elles-mêmes victimes quand elles étaient jeunes? T'as un pourcentage ou pas? Enfin, après, je sais qu'il y en a deux, trois. Il y a une mamie. D'accord? Tu vois? Et ça, il faut bien comprendre Il y a que, moi aussi. Ouais. d'accord? Tu vois, si je pose la question, c'est pour que les gens comprennent. Je le fais exprès. Je Il suis y au en a une. courant. Il y a une maman qui ne connaissait pas, elle est comme moi. On est D'accord, deux d'accord, sur six. d'accord. Mais le nombre de mamans qui ont subi ce qu'elles subissent en temps après en tant que maman, t'imagines même pas le pourcentage. T'as l'impression même que les services sociaux se précipitent sur les mamans qui avaient été déjà victimes quand elles étaient jeunes pour faire la même chose à ces mamans qui deviennent des mamans, en fait. Tu vois? T'as l'impression qu'ils ont un fonds de commerce qui est activé. Tu dis, oh ben De elle avait génération 15 ans. en génération, il faut. Hein. Exactement. Et Une tu mamie, verras. une mamie, Ah ben attends. une mamie. Mais les mamies ont le droit de témoigner, en fait. Tu Ouais, vois? mais c'est une super mamie, hein. Là, Ben c'est son fils. justement. Moi, C'est tu son. sais, j'ai fait des émissions avec des cas, donc pas forcément dans la série l'enfant a un business pas comme les autres, parce qu'il y a des fois, je suis dans des sujets qui sont extrêmes, mais je vais te donner un exemple très simple. Si tu vas sur ma playlist qui s'appelle Le puzzle de la vérité, tu vas découvrir un homme de 30 ans, 30 ans, qui raconte comment il a été victime de la pédophilie à cause de la DAS. La DAS, c'était l'ancien nom des services sociaux de l'ASE. D'accord? Oui, Il a scandale. été placé à 13 ans, 14 ans, d'accord? Et il a été victime de la pédophilie au sein même des foyers où il a été placé. Et à 30 ans, il raconte ça. À 30 ans. Tu vois, donc il a du recul, mais il a eu le besoin d'exprimer tout son ressentiment. Eh ben, demain, tu vas avoir des papys, des mamies, des mamans qui ont un certain âge, d'accord? Qui ont caché dans leur tête le souvenir de ça. C'est une manière de se protéger. Mais il y a un moment donné, ça les réveille. Et plus il y aura de témoignages,
peut-être que demain, on se retrouvera peut-être avec une mamie qui racontera ce qu'elle a vécu quand elle était maman ou quand elle était même gamine. Tu Oui. vois? Ça, c'est important. C'est ce qui est important, c'est que les gens découvrent que ça existe depuis longtemps. Voilà, c'est surtout. Ouais, c'est bien. Bon. Vous êtes d'accord avec moi quand même sur Oui, cette matière, oui, une manière oui, de faire, oui. hein? Bon. Alors donc du coup, vous êtes deux combattantes, vous êtes en alliance, d'accord? Et demain, ben, au lieu d'être deux, vous serez quatre, vous serez six, vous serez dix, Ouais. d'accord? Je parle dans votre département, hein? Parce que Oui, dans le après, département, il faut qu'on soit nombreux, là. le nombre il sera bien plus grand, mais c'est avec les autres départements, Mais d'accord? moi, je suis fière parce que quand il y en a une qui va pas bien, on se rattrape, on se dit n'aie pas peur. Mais c'est important. Et J'ai comme pas de nouvelles d'elle, je suis pas bien, je me dis qu'est-ce qu'ils lui ont non, mais fait? voilà. Donc, alors Ça me fait mal au cœur. Je me dis la pauvre, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, bordel? C'est l'horreur. mais tu verras que la On est un peu solidarité, fort. voilà, la solidarité, l'alliance des mamans ou des parents qui sont victimes du système, il y a un moment donné, quand l'alliance de toutes les victimes va se faire, ça va leur faire tout drôle. Je te le dis tout de suite, hein. Ça va leur faire tout drôle. Et pour l'instant, je te le dis que il y en a qui vont changer d'attitude parce qu'il y a des menaces qui sont en train de se mettre en place. Hein. Je vous le dis tout net. Je vous le dis tout net. Ça, je voudrais pas être à la place de certains qui ont fait du mal aux autres, si vous voyez ce Aux que je veux enfants, dire. nous on s'en fout, c'est à nos enfants qui font du mal, on les Mais combat oui, pas. mais je sais bien, mais. C'est pas parce qu'ils font du mal aux enfants qu'il faut oublier le mal qu'ils font aux parents aussi, hein, d'accord? Hein, Parce que ça c'est on est quand des même. mamans, on s'en fout de nous, c'est nos Non. enfants qui font du mal, Ben je c'est nos sais, enfants. mais la défense des mamans a une importance aussi. Mais Voilà. on est dans OK? un pays où ils défendent pas les mères, ils ont honte de rien. Ben Ils ont justement. honte de rien. Il faut qu'ils aient honte. Il faut qu'ils aient honte de tout ce qu'ils ont fait sur les enfants. Mais Tout. ça va finir par Quelle arriver, horreur! Linda. Ben, je sais bien. Si vous êtes là, c'est justement pour le dénoncer. Voilà, c'est le but. Oui, C'est aussi simple c'est que un ça. vrai calvaire, hein, ce qu'ils nous font vivre. C'est un vrai calvaire. Ils sont déshumanisés, ces gens. Ils n'ont pas d'humanité. Ben, bien sûr. Non, bien sûr, Mélissa. Donc, C'est mais toi qui Mélissa, toi. payes pour ça, réveillez-vous! On accepte ta manière de le dire avec tes larmes, Linda. Ça fait partie du message à envoyer, en fait. Voilà. C'est, tu vois, t'as un symbole qui est très important. Tes larmes à toi, Linda. Et puis le côté posé de Mélissa qui a pris l'habitude de prendre des coups. Et maintenant, elle est dans une forme de résistance qui est posée. Mais elle aussi, Mélissa, c'est elle qui met des coups aussi maintenant. Et elle t'apprendra à mettre des coups. Tu verras. Tu verras. C'est certain. Et moi, je suis content maintenant que vous vous connaissiez toutes les deux. Parce qu'elle te donnera des coups de main pour faire certaines choses. Tu verras ce que je te dis. OK? N'est-ce pas, Mélissa, que ce que je dis, c'est Oui, vrai? c'est Voilà. vrai. Voilà. C'est Non, aussi moi, simple que je suis émotion, ben, j'arrive à subir, j'arrive à. Mais Linda, ça me paraît C'est pas logique. normal. Mélissa, c'est pas normal qu'on soit habitué à ça. C'est pas normal. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, mais tôt ou tard, ils vont tomber, ces gens-là. Moi, je pense qu'à force de dénoncer, ça va arriver. Ça va Oui, arriver, hein. c'est ça. Après, Mélissa ou Linda, y a, dans le tempérament d'une personne, tu as l'émotion qui domine. D'accord? Tant que tu as l'émotion qui domine, c'est normal que tu aies des réactions comme ça. D'accord? Ça me paraît logique. En plus, tu as une sorte de jeunesse dans ce que tu subis. Ça fait pas des années que ça dure. D'accord? Mélissa, elle a plus d'ancienneté. Elle sait déjà comment ça fonctionne. Elle a déjà analysé des choses. Et si moi je vous mets en contact, si je vous mets en contact, c'est parce que elle a déjà un recul et elle sait comment ça se passe. Elle t'avertira de certaines choses. Mais cette alliance-là, entre vous deux, elle a un but aussi. C'est de pouvoir contrarier les juges qui sont autour de vous, les services sociaux qui sont autour de vous, la police ou la gendarmerie qui est autour de vous. Gendarmerie, ouais. D'accord? Et vous verrez, donc demain, vous êtes deux,
Demain, dans le département, il faut encore trouver d'autres mamans. D'autres Ça y mamans est, qui ça sont se trouve. Ouais. d'accord. Si tu as des copines qui sont dans le même département, qui ont subi la même chose avec les mêmes personnes, il faut qu'elles témoignent. Plus il y aura de N'ayez plus nombre. peur. N'ayez plus peur. Il faut se rassembler. Il y a Mélissa, il y a moi. On s'appelle. Moi, j'étais lambda. Je connaissais pas tout tout ça. Hein, je vis dans le monde de bisounours. Mais là, Mais il y en a j'ai plein, plus mais il y en a peur. plein. Mais je vais te donner un ordre d'idée pour que tu comprennes, c'est que au fur et à mesure que je publie ces témoignages-là, t'as plein de gens qui découvrent ce qui se passe, qui étaient à des années-lumière de comprendre ce qui se passait. Mais je vous le dis, hein, c'est incroyable. Il y a des gens qui disent, ah bon, mais c'est quoi ce truc-là? Et pourquoi de temps en temps j'ai une association qui prend carrément la playlist de tous les témoignages et qui balance ça au juge, à ton avis? Tu crois que ça leur fait plaisir au juge? Ou au procureur? Franchement. Donc, il y a un moment donné, quand tu vois ce qui se passe en France, il faut qu'ils arrêtent. D'accord? Moi, j'ai une chose qui est certaine. Et j'ai une application. Si j'ai appelé ça l'enfant à business pas comme les autres, d'accord? C'est parce que j'ai dans ma tête à moi une certitude. L'enfant, c'est l'avenir du monde. OK? C'est tout simple. Et grâce aux mamans, bien entendu. OK? D'accord? Je dis pas qu'il faut évaporer, éliminer les papas, c'est pas du tout ça. Mais le rôle de la maman, il est primaire, il est naturel. C'est la maman qui met au monde l'enfant. D'accord? Et ce lien-là, il est supérieur à tous les autres liens qui peuvent exister dans une famille. Le lien de l'enfant avec la maman, il est d'un ordre naturel. Il y a rien au-dessus, absolument rien. OK? Voilà, c'est ça ma manière de voir la chose. Alors, en attendant, moi, je vous remercie de votre témoignage, les filles, d'accord? Oui, merci Merci. beaucoup, Christophe. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Merci, On arrive Christophe. à l'heure du rendez-vous, d'accord? Même si on a eu les petites larmes de Linda, ce que je peux comprendre et ce que j'accepte, Linda. Pardon, Mais bah, je suis désolée, mais bon, maintenant, c'est toujours un petit peu. il n'y a pas de pardon. Ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir montrer que vous allez devenir des complices toutes les deux. D'accord? Et ça, pour Oui. moi, c'est un maillon complémentaire à tous les témoignages. Il OK, faudra les laisser filles? tranquille Mélissa et me laisser tranquille. D'accord. Ouais. Bon, les filles, vous êtes d'accord? Merci On en reste Christophe. là. On en reste Merci. là pour ce soir, les filles. OK? Hein? Merci. Oui. Merci Christophe. Et je vous donne Merci. un rendez-vous avec des nouvelles mamans. D'accord? D'autres Oui, mamans dans eh votre ben, il y en a département. beaucoup, hein. Tu vas avoir du D'accord? boulot. Je vous fais des bisous, les filles. À Revoir. bientôt. À À bientôt. À bientôt. bientôt. Salut. Salut.